حدث تاريخي بالنسبة لتونس. علاش؟ لأول مرة في تونس وفي أفريقيا في الشرق الأوسط خارج أوروبا يصير انطلاقة متاع مشروع متاع سيارة جديدة في بلاد أفريقيا وفي الشرق الأوسط لأول مرة. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un lancement commercial. Ok, on lance une nouvelle voiture. Ok, je voulais que ce soit un lancement international, c'est-à-dire comme si je lançais 3008. La même qualité de prestation, le même réceptif, partout, partout. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en même temps, on lance une opération industrielle. Ça veut dire que ce pick-up va être assemblé et industrialisé en Tunisie. C'est juste une première mondiale. Ça s'est jamais fait entre Peugeot et la Tunisie, évidemment, que de lancer un pick-up industrialisé localement. Dans les deux jours, on a déjà 200 commandes à peu près. Hein. Les gens n'ont pas vu la voiture, on l'a acheté. C'est très bien ça. Nous avons écrit aujourd'hui et aujourd'hui, il y a dans le monde entier qui a eu aujourd'hui cette intilaqa de cette voiture nouvelle, de ce pick-up, de cette 4x4 dans Tunis. Je suis là aujourd'hui en Tunisie parce que en fait, j'ai participé au premier roulage de ce Peugeot pick-up et un peu de promotion autour de ce véhicule qui est tout nouveau. Et comme j'étais assez enthousiaste, c'est un véhicule qui était très sympa, qui m'a beaucoup plu. On m'a demandé si je voulais venir ici faire un petit roulage en Tunisie. Et... Un pick-up de 5,08 m est un double cabine qui vous permet de transporter avec un châssis échelle et en 4x4 à la fois tout ce que vous avez besoin de transporter comme un particulier, mais également de faire face à tous vos besoins de véhicules utilitaires. On a une relation spéciale avec Tunis avec le pick-up. Si tu veux te faire, 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 tu veux te faire. C'est un produit qui se situe dans la continuité de ce qu'on a fait pendant des années. Vous savez que Peugeot a vendu 1 400 000 pick-up dans son histoire. Et puis d'un coup, c'est arrêté. Et là, on s'est dit, attends, ça va pas. L'année où on va battre tous les records de vente de Peugeot depuis qu'il existe dans le monde, il faut qu'on donne un signal de retour sur les marchés avec lesquels on travaille depuis 87 ans. Nous avons pris une terre de hectares dans le Maghreb, dans le Tunis. علاش المغيرة؟ لأن على 15 كيلومتر من برت نتاع رادس، ولكن عندنا مكان ثاني في صفاقس. المعمل هذا مش يكون ما بين تونس وما بين صفاقس. المشروع هذا 30 مليون دينار. المشروع هذا فيه حوالي 400 موطن شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة. المشروع هذا مش يكون فيه ان تو دانتيغراسيون، معناها نسبة الإدماج وهو أهم شيء. الاشياء اللي باش نصنعوها ولا نعملوا لها مونتاج في تونس شيء، والاشياء اللي باش ناخذوها من تونس لان صنع تونس دونك تشجع بصفه غير مباشره المصانع التونسيه. والجانب الثاني هو الريزو تاع السفين بيجو اللي مش يصلح للتوزيع ولا للجانب التجاري. Pour vendre un pick-up, il faut un objet robuste, fiable, et il faut un super réseau. Et ce qui se passe, c'est que la Tunisie a à la fois un marché de pick-up important et avec la Stafim un réseau fort. Donc on s'est dit que c'était le meilleur moment et le meilleur endroit pour le faire.